Voilà, Viking Dubuisson, qu'on a revu avec Madame la Présidente qui était en selle sur ce dernier. C'est bien sûr Nathalie Henry, Viking Dubuisson, un fils de Ganymède et Isis Dubuisson par Viking de Belloué. 1m65, une 13 montée. Ce cheval n'a peut-être pas fait la carrière qu'il aurait dû faire, avec des problèmes de santé. Mais Bernard Desmontil un jour m'avait dit « Je crois que j'ai touché un cheval comme il y a très longtemps que je n'ai pas touché ». Il ne s'était pas trompé. La victoire sur la vidéo l'a démontré sur l'hippodrome de Caen. Un magnifique pédigré puisque nous sommes là en présence d'un fils de Ganymède et d'une poulinière par Viking de Belloué, lui-même le pur américain Mickey Viking à l'origine en France de la lignée mâle de Ready Cash via son fils Viking Sway, chef de race. Son pédigré côté maternel est très bien composé puisqu'il est dominé par les deux grandes matrones associées pour plus d'efficacité. D'un côté, Tira de Belloué, fille de Lola de Belloué, et de l'autre côté, par Sandra, descendante directe de la légendaire Sabourbonnaise. Sa mère, bonne gagnante, a remarquablement produit, puisqu'on lui doit semi-classique monté à Vincennes, second du prix Louis-le-Bourg et Lavater est victorieux devant les meilleurs à Caen dans l'important Henri Henri Balière, ce groupe 2 dont nous avons vu la vidéo à Caen. Il a également bien réussi à l'attelage en totalisant 2 victoires et 8 places. C'était une inbreeding du côté Carjac, 4x5 avec Neville Pride, 5x5, Gladys, 6x6. Les conditions, il fera également la monte au Hara de la Boirie pour 1 200 €. Poulain vivant à 48 heures, bien évidemment. Voilà, c'était Viking du